Parce que, en tournant notamment pour le premier album, j'avais l'impression que j'avais peut-être loupé un coche parce que je m'étais pas suffisamment investie dans la préparation du premier album, que je me suis un peu contentée de réunir des chansons d'amour écrites 10 ans auparavant, mais j'ai pu cerner quel message j'avais vraiment envie d'exprimer et avec quel son. Et c'est comme ça qu'est née Vagabonde en fait, c'était une vraie envie de grands espaces. Ce ciel est immense.
les chantiers des Franco, ça m'a servi à, comme quand on fait de la théorie au piano, en fait, ou du solfège, c'est de prendre les bases et ensuite les briser pour amener de l'émotion dans ce qu'on fait.